Nous devons quitter les ondes momentanément, le temps de procéder au dernier, tout dernier branchement avant de vous présenter CFOM-FM. Alors donc, prenez note que CFLS-FM se termine ici. On est hors des ondes pour une certaine période et au retour, vous entendrez le 102,9 CFOM-FM Radio Flashback. Que nous éprouvons, nous retardons le début de la programmation de CFOM 102.9. D'ici quelques minutes, nous serons en mesure de vous faire entendre la nouvelle programmation de CFOM Radio Flashback. Débuter ses activités régulières d'ici quelques minutes. On demande votre patience. Les problèmes techniques devraient être réglés d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. C'est pas une blague de Marcel Béliveau, mais vous connaissez la technique étant ce qu'elle est. On est retardé quelque peu, mais vous ne perdez rien pour attendre. Le gros de la programmation, Radio Flashback, s'en vient, ici au 102.9. Louis Lebeau qui vous dit, patientez quelques minutes, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. What we're gonna do right here is go back. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de retourner en arrière. Way back. Loin en arrière. Back into time. Très loin dans le temps. CFOM, it's 425 with Howie K wrapping up soon. 5 o'clock is closing time. Hope you'll stay with us for our final announcement. And think some of that sunshine outside. Maybe pick up a tan. Look good for school in a few weeks. Here's Frankie Valli, swear to God. Never get to heaven that way. CFOM, the most hit music. Most hit music. CFOM, it's 4:50 with Al McKay. We've got about 10 more minutes to work it out, so why don't we do it together? Try to see things my way. Do I have to keep on talking till I can't go on? CFOM, it's Johnny Rivers. Come on, help me, Rhonda. Where were you when I needed you? Here we are at 4:55, and I'm afraid that's about it, folks, for Al McKay and CFOM almost. We've got 5 minutes left and some closing announcements. I would just like to personally say that it's been a pleasure for me this past year to be in Quebec City, play some fine music for you, and enjoy probably one of the nicest cities I've ever been in Canada. And one other thing I wanted to say is that the women are just beautiful, if I can say that, and many thanks for listening. Et je vous dis adieu. C'est aussi facile que... Bravo, t'es un gagnant, André. Lâche pas. CFLS 92. CFLS. Vous aurez entendu ces lettres d'appel durant plus de 20 ans. Qu'on se rappelle de LS Radio sur la bande AM à la fréquence 1240 avec les trains de la Londe et autres qui, par leur style d'animation, révolutionnaient la radio traditionnelle. Un peu plus tard, au milieu des années 70, la petite station de Lévis innovait encore en devenant la première à diffuser une programmation musicale 24 heures sur 24. À ce moment, les auditeurs sont de plus en plus nombreux. Les sondages révèlent une popularité toujours grandissante. CFLS change alors de fréquence et se retrouve à 920 au cadran. Afin de performer davantage, on augmente sa puissance. De 250 watts, elle passera à 1000 et enfin 10 000 watts. CFLS détient alors la pole position au classement radiophonique dans la région centrale de Québec, devançant les géants de l'époque, CHRC et CJRP, qui pourtant émettent avec une puissance égale à 50 000 watts. Toute une époque. Puis, ce sont les années 80. La montée des stations FM.
CFLS optera pour un autre style. Cette fois, on privilégie la musique country. Et la station se retrouve sur la bande FM à 102,9. La petite station de Lévis en a fait du chemin. Elle a vu passer grand nombre d'animateurs, des milliers d'auditeurs, des centaines de gagnants. Aujourd'hui, 8 septembre 1995, fidèle à sa tradition d'innovatrice, CFLS transcende l'espace et le temps. Au seuil d'une ère nouvelle, c'est maintenant CFOM qui vous invite à voyager avec elle. Ok. Louis Lebeau. Jamais fait un show aussi court que celui-là, à peu près 21 oui, minutes. Monsieur! Hey! Hey! Ça, c'est vrai! Ouais! Québec, c'est un moment historique dans l'histoire de la radio. On est en train d'écrire une page de l'histoire de la belle radio de Québec. C'est le lancement d'une nouvelle station qui va s'appeler dorénavant CFOM 102.9. Hey! Ah! Y a-t-il du monde en place comme ça? C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, on s'excuse des délais, évidemment, lorsqu'on est à la merci de la technique. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas le contrôle là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit là. On est là actuellement, puis je peux vous dire qu'on est là pour une longue période, des années et des années à venir. 25 ans minimum! Minimum? Minimum! T'es cheap, mais hein? On va être là pour au moins 50 ans minimum. Alors, c'est la grosse radio. Aujourd'hui, on va s'entretenir. Ben tiens, il y en a un qui veut m'appeler, je sais pas, ça va être la circulation. Ah, ils veulent tous nous appeler aujourd'hui. Même la compétition veut nous appeler aujourd'hui pour nous remercier d'avoir lancé ce son-là à Québec. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses. On a... On a beaucoup de choses à vous dire. J'aimerais m'entretenir avec tous ceux qui seront les artisans de cette radio. Je pense à Christian Fauché qui est devant moi. Je vais les nommer parce qu'ils sont devant moi. Jean-Nicolas qui va me suivre. Es-tu nerveux, mon Tom? Hein? On t'a sorti de la campagne pour t'emmener en ville. Il va falloir que tu nous fasses un gros show tantôt, là. Hein? Tu parleras plus au sapin et aux orignaux, là. Tu vas parler... Ils vont dire, ça, c'est le baveux de Lebeau de 1977, ou à peu près. Bon, c'est assez agi. Vous allez voir, on est des gens bien, bien corrects, avec une programmation en or. Et il y en a un qui se trouve à l'autre bout du fil, il s'appelle Yvon Delisle. Aïe, aïe. Allô, allô. Bon, oui, ça va avec les ingénieurs. Les ingénieurs ne sont pas chez vous, non? Non, pas ici, non. Ben, je vais te les envoyer, ça sera pas long. Okay. Aïe, aïe. Ah, d'accord. Vas-y, bon, Yvon, je t'écoute. OK, je suis hey, Yvon, non, mais attends un petit peu, c'est spécial aujourd'hui, on va parler un petit peu plus longtemps, parce qu'en temps normal, on va réserver nos propos. Oui. Hey, misère, que la ligne n'est pas terrible. Tu vas être là, Yvon, toi, t'es un des artisans, tu vas être là la semaine, tous les jours, de 10h à 2h. De 10h à 14h, c'est ça, à 10h le matin, il y a Marcel Charland qui va venir faire l'horoscope. Tu es un ingénieur, un docteur, n'importe qui, là, qui veut régler le bobo, là. OK, donc, entre 10h et 11h, l'horoscope tous les matins avec Marcel Charland. Oui. Et il y en a peut-être qui sont habitués à ça, justement. Hey, en passant, je te l'ai dit tantôt. Non, je te l'ai pas dit. C'est pas vrai, t'étais pas là. On a posé la question à Marcel. On a dit, Marcel, dans tes tarots, qu'est-ce que l'avenir réserve à CFOM? Ouais. J'ai su ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? On commence avec une pleine lune. Ouais. Il dit, vous en avez pour des années de succès à venir. Ah, ben oui, puis Marcel, on peut se fier à lui, je sais. Hein? Tu sais, je sais. S'il y en a un qui dit la vérité, c'est bien Marcel. Absolument. Les Aspes et lui, là, hein, y a pas de secret là-dedans, Ils sont ensemble tout le temps. Bon, Yvon, je sais que tu vas faire une bonne émission, mais je sais aussi que tu dois plugger quelqu'un là-bas, là. Absolument. Je suis à la clé de sol présentement à Lévis parce qu'on en profite avec le lancement de CFOM pour célébrer ici l'avant-premier anniversaire de la clé de sol à Lévis. On est bien établi. Chaque nuit je suis là, elle sait que je suis là, je suis d'ailleurs toujours là, à l'attendre. Est-il possible de t'en souffrir sans pouvoir en mourir, puis même en rire, ni même se défendre? Et chaque nuit j'attends misérablement Héloïse, Héloïse. Tu sais que je suis doué, je sais, je fais pitié au sein. Mes yeux mouillés se voilent
je plonge dans les nuages, je m'accroche aux étoiles et je me perds, je tournoie dans les airs et je contourne la lune. Soudain je tombe sur terre. Je suis tout seul, j'ai mal, je supplie et je crie. Héloïse, Héloïse. Comprendre tout ce que j'ai à lui donner. Mon Héloïse, tu vas m'entendre, tu vas venir. Tu vas pose la question, ça va être quoi le son de CFOM? C'est des chansons comme ça qui nous rappellent les souvenirs, puis ils ne tournent plus nulle part ailleurs. Voici Redbone à CFOM FM.